Donc, aujourd'hui, je vais vous entretenir du ERP, donc SaaS versus local. Quand je dis local, ça veut dire une implantation que je vais faire sur mon réseau local. Donc, ce qu'on a fait déjà depuis 20-25 ans, c'est-à-dire acheter des licences, acheter des équipements, les installer sur mon réseau et en comparatif avec ce que je vais avoir en mode SaaS. Juste pour commencer, parler un petit peu des prédictions de ce qui se fait en mode SaaS par IDC. Donc, en 2012, moins de 15% des nouveaux logiciels étaient expédiés sur CD. Ça veut dire qu'en ce moment, la façon d'accéder à nos logiciels, c'est par du téléchargement ou directement en mode SaaS sur Internet. 2012 également, 85% des nouvelles entreprises de logiciels sont fondées sur un mode SaaS. Donc aujourd'hui, on ne parle plus d'une application avec des programmeurs qui vont développer l'application en mode client-serveur qui va être installée sur un réseau local. La plupart des entreprises vont développer directement des applications qui sont web et même directement des applications sur des plateformes qui vont permettre de les déployer en mode SaaS. En 2014, le tiers des nouveaux logiciels seront consommés, mais en 2010, on était seulement à 13%. Donc on a quand même une augmentation de 20% sur 4 ans de la consommation des applications en mode SaaS. Et en 2014, 65% des nouveaux produits des ISV. Les ISV, ce sont les entreprises qui développent des logiciels, lignes d'affaires, donc des logiciels spécialisés, des logiciels qui sont complémentaires des ERP ou des ERP qui leur appartiennent, qui ne sont pas des revendeurs. 65% des nouveaux produits existants seront livrés en mode SaaS. Donc, vous voyez, les tendances qu'on voit sur le marché sont en très grande croissance. Les gens veulent consommer de plus en plus des produits en mode SaaS et on voit les chiffres aussi à l'appui. Trois options de développement d'un ERP. Donc, juste que vous sachiez que c'est quoi le portrait en ce moment de comment on installe une solution ERP. La première, c'est une installation locale. Donc, l'ERP est installé sur le réseau local de l'entreprise. On va utiliser ses propres infrastructures et on doit acquérir, investir des serveurs. On doit déployer sur les postes de travail. Donc, c'est une implantation traditionnelle. L'entreprise achète et détient les licences, donc elles appartiennent à l'entreprise et elle doit payer les maintenances annuelles et habilité à configurer et personnaliser à volonté. Pourquoi? Parce que le logiciel m'appartient, c'est mon instance à moi, il est sur mon réseau local, je peux faire ce que je veux. Ça, c'est une installation locale traditionnelle. Deuxième option, Software as a Service, le ERP est livré par Internet, sécurisé. Donc, je vais avoir un accès HTTPS sécurisé avec 128 bits d'encryption, qui est le même type d'encryption que je vais avoir si je me branche à mon compte bancaire. L'infrastructure, l'installation est déjà en place. Donc, le fournisseur a déjà son infrastructure, son application est prête à utiliser. Et c'est le plus gros avantage du SaaS, prête à utiliser. L'abonnement est mensuel, mais je vais avoir, dans beaucoup de cas, moins de flexibilité à personnaliser le logiciel. Donc, il faut vraiment aller en profondeur, savoir les capacités de personnalisation de chacune des applications que je veux utiliser en mode SaaS. Et c'est similaire à un modèle d'achat-location d'une voiture. Est-ce que je l'achète à long terme, puis elle m'appartient, ou je vais la louer? L'option numéro 3, solution hébergée, donc hybride, peut-être le meilleur des deux mondes. Donc, je vais utiliser les infrastructures d'un fournisseur de services, donc ce que Marisol a parlé ce matin, « Infrastructure as a Service », mais je vais acheter mes licences. Je vais les héberger chez un fournisseur externe. Donc, je vais bénéficier de l'infrastructure d'un fournisseur externe, mais je vais acquérir mes licences et je vais avoir mon instance privée. Donc, pour mon entreprise, que je vais pouvoir personnaliser pour mes besoins. Je vais combiner la flexibilité du ERP local, mais avec le modèle financier SaaS au niveau de l'infrastructure. Et je vais avoir l'habilité à déplacer l'instance localement à une date future. Pourquoi? Parce que souvent, mon instance va être virtualisée. Si mon environnement est virtualisé, je suis capable de déplacer d'une infrastructure informatique physique à une autre. C'est quoi les avantages et les bénéfices du SaaS quand on parle d'un ERP? Bien, souvent, les fournisseurs vont offrir un très haut niveau de continuité, donc ils vont avoir énormément d'équipements en place, ils vont offrir du 99,99%. En passant, les 9 après le point sont très importants parce que quand vous appliquez ça sur une base mensuelle ou annuelle, ça fait beaucoup d'heures de downtime qui se permettent à très peu de coûts. La sécurité,
la rapidité de déploiement. Donc, je suis capable d'accéder tout de suite à mon application et de l'utiliser. Donc, je n'ai pas de délai pour l'installation et le déploiement. C'est ça qu'on sauve avec le ERP. C'est les coûts, mais aussi le délai, parce que je suis capable de consommer immédiatement l'application. Le coût total d'acquisition, qu'on appelle le TCO, il faut le regarder à long terme. Parce qu'un des pièges qu'on voit, c'est que quand on analyse ça, on fait souvent sur 3 ans, 4 ans. Il faut peut-être aller un petit peu plus loin, aller chercher la 5e année, la 6e année, parce que mes coûts initiaux de mise en place d'infrastructures, je vais les avoir amortis dans le temps. Et on voit également une différence entre les coûts pour une petite entreprise et pour une moyenne. Le SaaS peut être très accessible et très bénéfique financièrement pour une petite entreprise, mais quand on est dans la moyenne, il faut vraiment faire l'évaluation sur plusieurs années. Donc, pas seulement 3 ou 4 ans. Je vais extensionner la durée de vie de mes PC parce que je vais travailler avec un furteur Internet au lieu d'installer sur mon poste local. Je vais pouvoir extensionner sur demande. Donc, si je rajoute des utilisateurs, je fais des acquisitions, je vais simplement inscrire plus d'utilisateurs qui vont accéder à mon ERP sans devoir investir davantage dans de l'infrastructure. Tous les services sont à la carte. Évidemment, je vais analyser mon retour sur investissement comme n'importe quel investissement. Il n'y a pas de différence entre un SaaS, un ERP que je vais installer localement puis un SaaS que je vais utiliser, un ERP que je vais utiliser en mode SaaS. Au niveau financier, il faut faire le calcul du retour sur investissement absolument. Puis évidemment, je vais accéder à une équipe complète. Quand j'utilise une application en mode SaaS, bien, j'utilise toutes les ressources que le fournisseur a en place, que je n'ai pas besoin d'embaucher dans mon entreprise, d'une part, et je vais bénéficier de leur expérience aussi à déployer cette application-là. Les bénéfices usagers, l'accessibilité totale, donc être capable d'utiliser tout type de mobile, d'ordinateur, que ce soit un Mac, un Windows. Je vais avoir beaucoup de simplicité, donc tu sais, je n'ai pas d'application spéciale à installer. Je vais simplement ouvrir mon furteur et me brancher à mon système. Travailler avec du multiplateforme, je vais avoir un soutien technique, mobilité et l'indépendance du PC, parce que ça, c'est un des gros arguments. On a le concept du « bring your own device », si vous avez entendu parler. Les gens amènent leur propre appareil mobile et veulent être capables d'accéder à leurs informations d'entreprise. Et là, ça devient une problématique de gestion de la sécurité et des accès. Comment je fais pour permettre à un employé qui amène son appareil de lui donner accès à mon environnement, mais que si un jour ou l'autre, il quitte l'entreprise, est-ce qu'il part avec quelque chose? Là, ça, c'est très avantageux parce que je peux simplement bloquer le compte, puis là, l'accès est terminé. Il n'y a pas d'installation qui s'est faite sur le poste. Quand je dois installer une application sur un poste de travail qui appartient à l'employé, ça devient très complexe, puis souvent, on ne le fait pas. Donc, l'entreprise doit fournir les équipements. Donc, il y a peut-être une analyse de coûts à faire dans les déploiements. Cependant, il y a quelques défis. Les défis au niveau des ERP en mode SaaS, c'est la personnalisation. Plusieurs ERP sont limités. Il faut être capable de faire une bonne analyse des différentes fonctionnalités qui sont offertes par les ERP qui sont livrés en mode SaaS pour s'assurer que ça répond à mes besoins d'affaires. Et c'est la plus grosse difficulté, c'est que les gens se laissent souvent emballer par tous les beaux bénéfices et les belles fonctionnalités que l'ERP va nous mettre très beau sur un site web. Mais quand on arrive pour implanter ça dans l'entreprise, le plus gros coût en passant ne sont pas les licences, c'est la gestion du changement à l'interne. Et si vous devez changer tous vos processus internes pour vous adapter à un ERP parce que vous vous laissez emballer par un beau ERP, vous allez voir que le coût va être énorme à l'interne. L'intégration, un autre défi, est-ce que je dois faire des liens avec mes applications locales? Si j'ai simplement accédé à une application qui est hébergée, puis d'utiliser les fonctionnalités de base plus vanille avec quelques configurations, ça va de soi, ça peut être une expérience absolument extraordinaire. L'intégration avec des applications locales, parce que j'ai des équipements de production, et là, ça doit faire des liens très complexes, ça peut devenir problématique, et ce n'est pas toujours évident d'un point de vue technique que ça fonctionne. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas au moment où on commence à l'utiliser puis à intégrer. Et ce n'est souvent pas la première étape du déploiement d'un ERP. Donc, on fait la sélection d'un ERP, on le déploie, tout le monde l'utilise, et au bout de 6 mois, on dit, bon, il faudrait peut-être l'intégrer avec notre système interne, et là, le problème, on n'est pas capable. Sécurité des données, donc on doit faire confiance évidemment aux fournisseurs de services.
Il y a beaucoup de certifications de sécurité qui existent. Le SAS-70 qui est rendu le SSAE-16. Le SAS-70, le SSAE-16, c'est une certification qui est donnée par les grandes firmes comptables, donc les KPMG, les Deloitte & Touche de ce monde, qui vont soumettre un rapport d'analyse, de vérification des processus. Est-ce que l'entreprise suit les processus selon cette règle-là? Va émettre un rapport et une entreprise qui a cette certification-là doit pouvoir rendre ce rapport-là disponible. Et ça, ça va donner tous les drapeaux jaunes, verts, rouges sur les différents processus pour s'assurer qu'on suit les processus de sécurité. Transparence opérationnelle, est-ce que je sais comment cette entreprise-là fonctionne? Donc, je m'emballe à choisir un ERP en mode SaaS, mais je ne vais pas regarder comment il fonctionne. Est-ce qu'ils font les sauvegardes? Est-ce qu'ils le font de façon régulière? C'est quoi le niveau de rétention? C'est quoi leur processus de sécurité? Comment ils gèrent leur roulement de personnel? Il y a un paquet de questions qu'on se pose. On fait souvent confiance. On dit « Ah, c'est sur Internet, il y a un beau site ». Mais j'ai déjà vu des très beaux sites avec 5 beaux techniciens dans leur garage pour faire l'application. Donc, ce n'est pas nécessairement sûr que c'est une grosse entreprise en arrière de ça qui va assurer la pérennité de votre solution. D'autres défis, les coûts à long terme, ce qu'il faut regarder, c'est les coûts additionnels de bande passante et de storage. Donc, ce sont des éléments qu'on va voir ressortir. Les frais d'abonnement annuels SaaS, généralement plus élevés que les frais de maintenance annuels. Évidemment, si je paye mon logiciel 100 $ puis je paye 20% de maintenance, donc 20 $ par année, mais en mode SaaS, je ne paierai pas 20 $ par année. Je vais payer peut-être 50 $, 60 $. Donc, quand on va faire l'analyse financière, il faut s'assurer de calculer ça à long terme et de tenir compte autant des coûts initiaux de ces licences-là, les coûts de maintenance, versus le coût d'abonnement. Les coûts licences représentent moins de 25 % du coût total d'une implantation d'un ERP. Donc, tout ce qu'on parle en ce moment, c'est 25 % d'un budget d'implantation d'un ERP. Il y a une portion qui va être allouée à l'infrastructure qui représente peut-être un 15 à 20 %. Donc, il me reste un 50-55 % ou plus qui sont d'autres frais, services professionnels pour la configuration, la formation, l'intégration, le support continu d'usager dans cette solution-là. Donc, beaucoup d'autres coûts autres que les licences. N'oubliez pas, le SaaS, c'est un mode de livraison technologique et c'est un mode financier. C'est ça que c'est. C'est juste, est-ce que je veux l'avoir, je veux investir dans mon infrastructure et l'avoir locale ou je veux utiliser l'infrastructure d'un fournisseur qui, lui, a déjà fait l'investissement. Mais au-delà de ça, il y a un ERP qu'il faut analyser puis savoir s'il répond bien aux besoins. Les changements organisationnels, comme je dis, les logiciels sont rarement la partie difficile. La plus grosse partie, c'est vraiment la gestion du changement, donc la portion humaine, l'adaptation au processus d'affaires. Et finalement, ça ne suit pas les implantations ERP, généralement, sont difficiles. C'est jamais une transition qui est simple. C'est un nouveau système, c'est des nouvelles façons de faire. Et puis, c'est le facteur humain qui ressort en premier. C'est quoi le checklist? Ça veut dire la liste de vérification entre une installation SaaS versus locale. Bien, est-ce que je dois personnaliser mon ERP? C'est la première question. Mais personnaliser beaucoup. Puis, quel niveau? Puis, est-ce que j'ai tous les outils de personnalisation à l'intérieur de ce qui m'est présenté? Est-ce que je dois l'intégrer avec des solutions existantes, donc des solutions legacy que j'aurai à l'intérieur de mon entreprise? S'il y a eu un investissement qui s'est fait pour une entreprise manufacturière sur une application d'opération, puis je dois faire une intégration, bien c'est sûr qu'on va faire les vérifications. Est-ce que je suis capable de faire le lien entre les deux? Est-ce que les fonctionnalités sont adaptées à mes processus d'affaires de mon ERP SaaS versus mon ERP local? Est-ce que j'ai l'expérience de l'équipe TI pour accompagner cette implantation-là? Est-ce que j'ai besoin de mettre à niveau mon réseau local? Ça, c'est une grosse question. Est-ce que je viens d'acheter des nouveaux équipements, j'ai des postes de travail relativement récents, puis je suis capable d'utiliser mon réseau local pour déployer mon nouveau ERP? Ou j'ai des Windows 98 encore sur mon poste de travail, puis là, j'essaie de livrer un ERP 2012 dedans? Là, j'ai une problématique parce que j'ai un coût additionnel. Je dois mettre à niveau tout mon réseau pour déployer. Heureusement, même dans les ERP locaux, donc que j'installe localement, il y a des solutions web aussi. Il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas les mettre de côté. Il y a des solutions open source aussi que je peux installer localement. Il y a beaucoup de possibilités. Et d'être capable d'adapter à divers processus, mais aussi divers départements. Parce que
Je peux décider d'implanter un ERP pour 2-3 départements si j'ai une plus grande entreprise, puis éventuellement voir si je voudrais l'adapter à une autre division et oups, problème, les processus de cette division-là, je ne suis pas capable de les configurer dans mon nouveau ERP. Donc, je vous présente ici un petit peu une table de décision, donc vers SaaS versus local, processus d'affaires, simple ou vanille, non défini, ou je suis malléable, je suis prêt à m'adapter, peut-être je vais regarder pour une solution SaaS. Local, bien, j'ai déjà un processus en place, bien établi, qui est plus complexe, qui est unique, bien, peut-être que les solutions SaaS en ce moment ne répondent pas aux besoins, je vais regarder pour une solution locale. Et quand je dis une solution locale, c'est un ERP que vous achetez, évidemment, mais vous pouvez aussi utiliser une solution hybride. C'est-à-dire, j'achète mes licences, mais je vais héberger, comme j'ai dit tantôt. Modèle d'affaires. J'ai-tu un modèle d'affaires qui est stable, qui change, ou j'ai un modèle qui est volatile, qui va avoir beaucoup de changements? Si j'ai un modèle d'affaires qui change parce que je vais ajouter des lignes d'affaires ou je vais faire des acquisitions qui vont changer ma façon de fonctionner dans le temps, et je le sais déjà, bien, peut-être que je vais prévoir un ERP en fonction de ça. Oups! La grandeur d'entreprise. Donc, dans le SaaS, on va beaucoup plus petite à moyenne, puis dans local, je dirais barre oblique hybride, donc hébergé, moyenne à grande. Compétences TI, plus faible au niveau du SaaS, parce que l'accès par un browser Internet, par un furteur. Au niveau du local, c'est plus sophistiqué parce que je dois déployer, installer des équipements et déployer sur des postes de travail. Au niveau des infrastructures TI, évidemment très faible, je n'ai pas d'investissement à faire, c'est un accès par le furteur, encore une fois. Puis, au niveau du local, bien, je vais faire soit que j'ai déjà une infrastructure qui est bien établie puis qui est capable d'accueillir mon nouveau ERP, ou je vais devoir faire des investissements substantiels pour pouvoir l'accueillir. Est-ce que je peux faire des intégrations avec d'autres systèmes? Donc, faible à aucune, je n'ai pas besoin d'intégration, je prends ça vanille, peut-être je vais regarder une solution SaaS. Par contre, j'ai beaucoup de customizing ou de configuration, personnalisation à faire, mais là, je vais regarder pour une solution local ou si la solution SaaS me le permet. Je ne veux pas que vous croyez que, parce que c'est complexe, je ne peux pas aller vers le SaaS. Je veux juste dire qu'en ce moment, les solutions ERP en mode SaaS ne sont pas aussi évoluées que les versions locales. C'est ce que je veux dire. Et c'est pour ça que quand on fait l'analyse, ils n'ont pas rattrapé toutes les fonctionnalités et tous les outils de personnalisation. Okay, je ne veux pas me méprendre. Ce n'est pas parce que c'est complexe, automatiquement, je vais aller local. C'est parce qu'en ce moment, les solutions disponibles n'offrent nécessairement pas toutes les fonctionnalités de personnalisation. Et si je veux avoir, au niveau du contrôle, bien évidemment, j'ai un faible besoin de contrôle si je veux aller en mode SaaS. Par contre, au niveau du local, bien, je veux avoir le contrôle de ma solution. C'est quoi les différenciateurs clés entre les deux solutions? Au niveau des coûts, c'est un abonnement mensuel par utilisateur, par mois, ou des fois, il y a des coûts par entreprise. Au niveau local, j'ai un investissement initial en équipement, licence, installation, puis je vais parler des coûts un petit peu plus tard. Personnalisation, ça, c'est limité. Dans le local, ça dépend du ERP. Au niveau des infrastructures, dans le SaaS, c'est inclus dans l'abonnement. Au niveau du local, évidemment, le client doit fournir l'infrastructure. Au niveau de la sécurité, le SaaS, c'est livré par Internet, donc c'est du SSL, c'est de l'encryption, souvent minimalement 128 bits d'inscription, qui est le même que quand j'accède à mon compte bancaire. Et au niveau du local, bien, ça va être la sécurité par le domaine local qui est créé au niveau de l'informatique. L'intégration limitée au niveau du SaaS, très répandue au niveau du local. L'accès mobile via un furteur mobile et souvent au niveau du local, ça requiert un déploiement parce que je vais mettre ma solution, je suis capable d'y accéder à partir de mon poste de travail, mais quand je sors mon iPad ou mon Samsung Pad, puis là, je vais être d'accéder, oups, là, c'est plus compliqué. Là, il faut qu'on fasse des installations additionnelles. Et contrôle des systèmes, bien évidemment, c'est le fournisseur qui contrôle le système dans le SaaS et c'est le client qui le contrôle. Fait que ça vous donne un tableau comparatif entre les deux. Au niveau des coûts, les coûts les plus importants à comparer, c'est que dans une installation locale, je dois tenir compte des infrastructures, de l'achat des licences, des frais de maintenance annuels, les frais d'installation de déploiement, les frais de gestion et de maintenance dans le temps, parce que ces infrastructures-là que je vais mettre en place, il va falloir que je les maintienne, je fasse des mises à jour. Et je vais avoir également des frais liés au déploiement de la mobilité. Ça, il faut retenir compte. Tout ça, c'est déjà inclus dans l'abonnement mensuel perpétuel au niveau du SaaS.
Bon, il ne veut plus. Il n'a pas aimé ça. Connect, attends. Hein? Ah, OK. Je vais juste revenir en arrière pour savoir si j'étais à la bonne place. Oui, là, je poursuis l'ère jurassique. Je vais vous dire ça dans... Il y a pas... Le même coup qu'il y a eu quand... Ah oui, c'est... C'est bon. Oui, c'est pas stable. Fait que... Je regardais combien de temps. OK. Hybride, est-ce que ça serait le meilleur des deux mondes? Donc, je suis capable de faire aujourd'hui virtualiser et héberger, donc utiliser une infrastructure externe. Donc, meilleur des deux mondes, pourquoi? Parce que je peux garder, quand je regarde mon tableau différenciateur, je peux garder le contrôle de la solution, je peux le personnaliser, elle est pour mon entreprise, je vais avoir le contrôle de la personnalisation, j'ai peut-être plus d'outils d'intégration, mais j'utilise l'infrastructure d'un fournisseur externe. Donc, ça, c'est vraiment l'approche hybride. C'est ce que je dis, excusez, utiliser l'infrastructure as a service. OK, on va y arriver. Les facteurs clés d'une solution hybride au niveau des coûts, bien évidemment, je vais avoir une installation. Ouais. Ouais. Ah, peut-être. OK, merci. Donc, les facteurs clés d'une solution hybride au niveau des coûts, installation initiale, donc je dois faire une installation initiale quand même. Il y a un abonnement mensuel par utilisateur par mois. Personnalisation, ça dépend du ERP que je vais choisir. Infrastructure, c'est inclus dans l'abonnement parce que j'utilise l'infrastructure d'un fournisseur externe. Je suis capable d'avoir la sécurité puis l'accès via Internet sécurisé. Je vais, selon le ERP choisi, je vais peut-être être capable de faire de l'intégration. Et je vais avoir le contrôle de système, évidemment, qui va être fait par le fournisseur. Donc, c'est vraiment un mix des deux. Donc, le verdict, ça, c'est une bonne option. Pas nécessairement pour tout le monde, pas nécessairement pour toutes les entreprises, pas nécessairement pour tous les types de processus d'affaires. ERP ne rime pas uniquement avec logiciel, mais bien des gens et des processus d'affaires. Il faut se le rappeler. Le réel défi, c'est d'adopter les nouveaux systèmes et les processus d'affaires. C'est ça le réel défi d'un ERP. Au-delà du SaaS, c'est un mode de livraison technologique et financier. Au-delà de ça, je dois comprendre, est-ce que ça s'adapte à mes processus? Il y a plusieurs systèmes ERP disponibles. La présentation que j'ai faite, technique, si vous y avez accès, j'ai des listes d'ERP. Vous en avez qui sont open source, il y en a qui sont SaaS uniquement, il y en a qui sont clients-serveurs qui peuvent être hébergés. Donc, beaucoup de listes. Faites vos recherches, utilisez des firmes externes pour vous aider à sélectionner ça. Il y en a énormément, il faut toutes les considérer. Et il ne faut pas oublier de se protéger à long terme. Un ERP, c'est un investissement à long terme, ce n'est pas un investissement à court terme. Merci.